matériel se détraque. Ces croiseurs sont en train de percer la croûte de la planète. Ces destructocanons peuvent anéantir une planète entière en quelques minutes. L'empereur a l'intention de détruire tout Sargasso. Qu'il essaie pour voir. On va s'occuper du vaisseau-mère, Rinette. Notre astropote va se faire un plaisir de l'enquiquiner. Ça marche. On se concentre sur les croiseurs de combat. Bon, je crois que j'ai pigé le truc. J'ai eu trop de la voltige, Trudy. Oui, c'est gentil de ne pas nous éjecter. Trudy se fera un plaisir de rôtir les générateurs sur les ponts des croiseurs. Oh, ça et ça. Et tu prendras bien un peu de rap de ça aussi. Soir.
encore une victoire inattendue juste avant que j'arrive pour te rayer de ma liste. Allez, direction la prison de Zorku. Non, ce serait trop banal. Et si on pimentait un peu les choses? Nous avons atterri dans une poche dimensionnelle. Ah, heureusement, notre empereur omniscient ne sait pas que je sais exactement comment sortir d'ici. Non, trop loin! Allez, quoi, faites un petit effort! Vous semblez vous connaître depuis très longtemps. Ouais, on peut dire ça. Ça fait un bail que je me bats pour libérer la galaxie. J'ai perdu des amis, mon bras. L'empereur t'a fait ça? Oh, pas exactement. C'est arrivé pendant une mission. J'avais trouvé un moyen d'entrer dans la tour de l'empereur. Alors j'ai tenté ma chance, toute seule. La porte était tout près. J'avais pas remarqué le robot de guerre de Nefarious à côté. J'ai voulu m'enfuir. J'ai pas été assez rapide. Il s'est arrêté. Je me suis enfui avant qu'il soit trop tard. Mais maintenant, j'ai un bras super cool. Alors, j'ai pas trop à me plaindre. Rivette, je... T'inquiète. Hé, hey, regarde, une sortie. Allons voir. Allons chez Urki. Ratchet et Clank auront peut-être de bonnes nouvelles.